Bonjour mes champignons, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, on va couper Boubou Caftan avec une petite tisane de vin. Donc, on va utiliser deux pains différents. Donc, j'ai utilisé one yard pour les deux pains. Donc, vous voyez, j'ai plié là-bas 1 inch. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre de l'autre côté 1 inch et demi. Et après, je vais marquer là-bas 3. Et je vais encore descendre 2 et je vais tracer 2 inches, 3 inches aussi. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer comme ça pour au niveau de l'épaule. Vous voyez, non? Désolée pour ma voix. Je suis un peu enrhumée. Donc après, on va couper. OK? Donc vous voyez, je suis en train de couper ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la longueur de notre boubou. Donc, tu peux faire ça 38, 37, 35, 40, ça dépend. Mais moi, je suis en train de faire ça 40 inches. 40 inches. Donc, ça dépend de chacun. Donc, j'ai déjà ma longueur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer le tour de ma manche. Donc, pour moi, le tour de ma manche, là-bas, je l'ai fait 10 et demi inches. 10 et demi inches. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer, je suis en train de mesurer le tour de ma hanche divisé par 4 plus 3, comme c'est free dress. Tu vas faire ta mesure normale et tu vas augmenter 3 inches ou bien 4 inches. Ça dépend de comment tu veux que ça soit sur toi, ok? Donc après, je vais marquer là où je vais placer la poche, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, tu peux placer la poche là-bas. Tu peux placer la poche aussi devant toi. Ça dépend de ce que tu veux. Si c'est devant toi, tu vas marquer là-bas, de l'épaule vers là-bas 17 et tu vas rentrer 2 et tu vas placer ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer on va séparer ça deux parties. Comme on veut faire deux. Comment dit-on? Deux tons. Donc, deux tons devant, deux tons derrière. Donc, on va séparer ça 2 fois. C'est à cause de ça que j'ai coupé le dos premièrement. Donc, maintenant, vous voyez, je suis en train de séparer ça. Maintenant, je vais prendre l'autre pour placer ici et je vais prendre l'autre pour placer devant. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais si tu ne comprends pas, vois ce que je suis en train de faire et fais la même chose. Tu vas obtenir la même chose que moi. OK? Donc, vous voyez, je l'ai plié. Donc, ça fait 2 fois, 2 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va couper le devant. Vous voyez, non, le coup de devant. Donc, tu peux descendre là-bas 8, 10, 7 et demi, 9 inches. Ça dépend de chacun de vous. Je vous ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut ou bien ce qu'elle veut en couture. Donc, tu vois. Je suis en train d'arranger ça bien. Maintenant, je vais tracer. OK? Si vous avez un pagne à la maison, si tu n'as pas de ton, ce n'est pas un problème. Tu peux faire ça avec ce que tu as. Donc, tu vois, après, on va coudre là-bas. Tu vas coudre pour le devant, on va coudre pour le derrière aussi. Donc, je suis en train de vous dire, si tu n'as pas de ton, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, tu peux faire ça avec ce que tu as. Si tu as un pagne à la maison, tu peux faire ça, OK? Tu peux faire ça. Tu vas voir ce que je suis en train de faire. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Ça, c'est derrière. Et ça, c'est devant. Maintenant, pour le devant, j'ai suffilé ça. Vous voyez? J'ai suffilé là. J'ai bien suffilé. C'est comment on dit? Je ne sais pas. J'ai suffilé ça. Prenez ça comme ça. Français, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille. Donc, vous voyez, maintenant, on va coudre là-bas et on va coudre ici parce qu'on veut mettre corde là après pour tirer ça. OK? Vous voyez, non? Donc, on fait la même chose. Donc, vous voyez, maintenant, au niveau de la manche, on va placer ça. Si tu as, si le reste de pagne, tu peux faire ça. Mais si tu ne veux pas, tu peux chercher quelque chose uni pour faire ça. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la corde là-bas pour les deux, OK? Et après, je vais tirer ça. Vous voyez que c'est très simple, non? Et après, tu vas suppliquer ça là-bas pour que ça ne sorte pas, OK? Donc, le coup là, tu peux prendre un petit morceau de... Donc, vous voyez, on a presque terminé.
Et après, on va coudre là-bas. Donc, notre boubou caftan est prête avec notre tisane à la pluie. Ok, donc si tu as. Essaye ça aussi, ok? Essaye ça. Ok, je vous aime. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez. Je vois tous vos commentaires. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.